L'Église a besoin de vous et compte sur vous. Par cette phrase, le cardinal Stanislav Rilke, président du Conseil pontifical pour les laïcs, a encouragé la communauté Canzano Nova, affirmant qu'une ère nouvelle s'ouvre avec la reconnaissance pontificale. Dans la salle Magna, le décret d'approbation a été lu par le canoniste Mgr Galindo Delgado. Le document fait ressortir l'histoire de la communauté et a reconnu comme valide son charisme, utile pour l'Église sur les 5 continents. À la fin de la lecture solennelle, le décret d'approbation fut remis au fondateur de la communauté, Mgr Jonas Habib, qui, dans un discours émouvant, a appelé chacun à la fidélité. Les cofondateurs de Canzano Nova ont rendu hommage au président de la cérémonie en lui offrant une statuette de la sainte patronne du Brésil, Notre-Dame Aparecida. Après avoir remercié le président, le cardinal a fait un discours dont est ressorti la spiritualité de Canzano Nova, qui a pour centre le mystère eucharistique. Une fois de plus, l'émotion a empli la cérémonie. Mgr Jonas, avec une chanson, a rendu hommage à Notre-Dame, mère et maîtresse de Canzano Nova.